fait, j'ai créé sur le monde virtuel de Second Life, j'ai créé un univers gigantesque qui fait 250 000 m2, qui s'appelle le Moyaland, donc où il y a toutes les œuvres que j'ai faites auparavant sont reproduites dans différents musées. Il y a des rues, mais toutes les rues s'appellent Moya, donc il y a rue Moya, place Moya, musée Moya, en fait, et la chapelle Moya. Et donc on peut visiter, si vous vous inscrivez à Second Life, vous cherchez Moya, vous arrivez sur l'île, il y a même un office du tourisme, et là vous pouvez voyager, et si je suis là le soir, je vous monte dans une voiture et je vous fais une visite guidée qui dure presque une heure, je vous fais une visite guidée de mon île. Et on peut aller jusqu'au Radium, puisque même le Radium Art Center est reproduit, et cette exposition est reproduite dans ce live. Alors oui, c'est une toile qui est très importante pour moi, enfin historiquement dans l'histoire de l'art, parce que c'est la première fois qu'un artiste se représente à l'intérieur de l'œuvre en train de peindre. Il n'est plus celui qui peint l'œuvre, mais il est celui qui est à l'intérieur de l'œuvre représenté en train de peindre. Et donc c'est très très important parce que c'est la première fois que l'artiste devient un personnage à l'intérieur de l'œuvre et non plus le créateur. Il entre dans l'œuvre. Et comme moi, c'est mon rêve d'entrer dans l'œuvre, donc elle est très importante pour moi. Ce qui fait que là aussi, évidemment, je me suis représenté en train de peindre.